There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? Mort et revenir, c'est le sujet dont se dit tout. Peut-être que vous aussi, vous avez vécu cette expérience bouleversante après un accident, un coma. Qu'est-ce que vous gardez aujourd'hui de cette expérience de mort imminente, bien malgré vous? Quel souvenir? Et puis aussi, comment on en ressort après? Est-ce qu'on voit la vie différemment? On se dit tout, vous donne la parole avec aujourd'hui le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui est notre grand témoin. Et c'est Jean-Luc qui est avec nous maintenant depuis la Dordogne. Bonjour Jean-Luc. Eh bien bonjour. Vous aussi, vous êtes parti de l'autre côté, comme vous dites. Ben oui, comme vous dites, j'ai fait une hémorragie interne en 2004 et donc j'ai été hospitalisé et étant donné qu'il n'arrivait pas à arrêter cette hémorragie, je suis parti, je suis descendu avec une tension aux environs de 4, donc c'était quand même assez bas. Et là, j'ai senti cet air chaud et cette lumière. J'ai vraiment ressenti être happé par cette lumière, cet air chaud. Et par contre, moi, je voulais pas y aller. C'est vraiment, je sentais que j'avais ma jeune épouse qui m'attendait, et je voulais pas y aller. Et curieusement, à un moment, comme si on m'avait lâché. Et je suis passé en 45 secondes de temps. D'ailleurs, l'électrocardiogramme, je l'avais gardé pour preuve, en 45 secondes de temps, je suis passé de 4 de tension à 22 et j'ai plié une partie du brancard. Et d'ailleurs, les médecins n'en sont pas revenus. Ils m'ont dit dans les jours suivants que heureusement qu'ils n'avaient pas laissé traîner un bras à côté parce que ils n'ont jamais compris quelle force j'avais pu avoir à ce moment pour tout plier, quoi. Voilà, quoi. Vous arrivez à en parler facilement, Jean-Luc? Je ne sais pas si c'est l'émotion ou pas, je ressens quelque chose quand même dans votre voix d'en reparler aujourd'hui. Il y a de l'émotion, et puis ça a été surtout un changement de vie radical après. Donc suite à ça, j'ai quand même tenté d'autres expériences, j'ai voulu savoir un peu ce qu'il pouvait y avoir d'autres qu'on ne voyait pas forcément dans la vie de tous les jours. Et 5 ans plus tard, je me suis mis à mon compte en tant que magnétiseur, donc c'est ce qui a fait mon changement de vie et ce changement de carrière qui est... Voilà, quoi. Comment on l'explique, ce changement aussi, parfois, Jean-Jacques Charbonnier? On parle de plus de sensibilité, dont de médiumnité pour certains. On le voit bien avec Jean-Luc qui est devenu magnétiseur. Ça modifie quoi en nous? Ça modifie une certitude. C'est celle qui nous dit que on est capable d'être connecté à une autre forme de conscience que j'appelle la conscience intuitive extraneuronale et qui, elle, est relié à d'autres sources d'informations,
Par exemple, des informations médiumniques, par exemple, des informations de la conscience universelle, par exemple, à des informations du futur. On va pouvoir développer des facultés de voyant ou du passé aussi, des réminiscences de vie antérieure, si on croit aux vies antérieures. Moi, je ne fais que répéter ce que les gens me disent. Je n'émets aucun jugement là-dessus. Et puis aussi, il y a des gens qui se voient doués de médiumnité ou, comme notre interlocuteur, de magnétisme aussi. Ils ressentent une puissance dans les mains, une énergie qu'ils peuvent transmettre désormais à cause de cette expérience ou grâce à cette expérience. On dit à cause ou grâce alors chez vous, Jean-Luc? Moi, je dirais grâce. Grâce, ben hein. Oui. Oui, bien sûr. Parce qu'il a su s'en servir. Voilà, j'avais un travail à part. J'étais sapeur-pompier volontaire en plus. Mmh. Et j'ai vu une quasi-reconversion par rapport au sapeur-pompier. C'était quelque chose, il fallait que j'aide quelqu'un à nouveau, mais d'une façon différente. Différemment, effectivement. Ils ont reçu de l'amour de l'autre côté. Ils ont envie ensuite de partager cet amour, de le donner. Mmh. Alors certains deviennent artistes, musiciens, peintres, etc. Et ils veulent aider les autres, ils veulent aimer les autres. Ils ont compris que ce qui comptait sur cette planète, c'était pas les valeurs matérielles, c'était donner de l'amour aux autres. Merci encore Jean-Luc pour votre beau témoignage. On se dit tout, continuons, on parle d'expérience de mort imminente aujourd'hui. France Bleu. Tu te souviens, les couleurs sur les baskets, les crayons dans les cassettes, je rembobine, tu te souviens.
des histoires universelles, on se dit tout sur France Bleu. Et on se dit tout aujourd'hui sur un sujet toujours aussi fascinant, les expériences de mort imminente, avec vos témoignages, avec notre grand témoin, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui préface le livre très complet sur le sujet du docteur François Lallier, Le mystère des expériences de mort imminente chez Le Duc Pratique. Et avec vos appels, vos histoires aussi, comme celle de Patricia qui vient de nous rejoindre dans le Var. Bonjour Patricia. Oui, bonjour. Ça vous est arrivé il y a 11 ans après un accident de voiture ? Oui, en fait, je rentrais chez moi. J'étais sur une route et je rentrais chez moi tranquillement. J'étais d'ailleurs en dessous de la vitesse limitée. Et en fait, j'ai des séparations de voie en plastique qui n'avaient pas été fixées par la direction départementale de l'équipement, qui sont venues l'un se plaquer sur le pare-brise, l'autre devant l'essieu, ce qui m'a fait une piste de lancement. La voiture s'est envolée, elle a décollé. Elle est retombée en transversale sur un pont, le Blavé. Et je suis restée comme ça en équilibre, où effectivement, les pompiers ont dû mettre des câbles pour pas que la voiture glisse et me désincarcérer du véhicule. J'ai eu donc une fracture de la masse latérale droite de la cuisse, pas mal d'hématomes, et j'en suis sortie, on va dire, avec beaucoup de chance, puisque ça ne devait pas être mon heure. Et qu'est-ce que vous avez ressenti, puisqu'on parle vraiment d'expérience de mort imminente, qu'est-ce qui s'est passé pour vous à ce moment-là, dont vous vous souvenez ? Eh bien, en fait, j'étais dans un tunnel, j'avais quelqu'un qui me tenait le bras, j'étais dans un état tout à fait apaisé. Je n'avais aucun souvenir de ce qui m'attendait, puisque j'avais mon petit garçon qui m'attendait donc à l'école, à la garderie, où je devais récupérer ce soir-là. Et donc, j'étais là, j'avançais avec cette personne qui